PG, c'est d'abord la qualité du travail. Et malgré cette qualité du travail, l'environnement professionnel ne nous empêche pas d'allier vie de famille et vie professionnelle. Et aujourd'hui, le DG met tout en œuvre pour que nous soyons épanouis non seulement au travail, mais en même temps que nous puissions assumer notre vie de famille. Et pour cela, nous lui disons vraiment merci. Aujourd'hui, en l'occasion de la fête des pères, je souhaite d'abord une bonne fête à tous les hommes du CNTIG. Et je profite de cette occasion pour dire infiniment merci au DG du CNTIG qui, à l'occasion, a organisé une journée festive lors de laquelle nous aurons un match gala qui va opposer les pères du CNTIG soutenu par les mamans. Au sein de l'entreprise, il y a une bonne ambiance de travail qui règne, ce qui nous permet vraiment de concilier vie de travail et vie familiale. À mon niveau, personnellement, le problème ne se pose pas, en ce sens que j'arrive à faire une bonne planification de la vie familiale en fonction de mon emploi, du temps de travail. Ensuite, au sein de la famille, il règne une certaine ambiance au niveau communicationnel qui est favorable à l'épanouissement au niveau professionnel. Aussi, un autre point, c'est qu'aujourd'hui, le travail moderne a ses exigences et ses contraintes. Donc aujourd'hui, pour pallier à certaines difficultés, il faut faire usage des moyens modernes de communication. Et ce que j'ai souhaité, c'est que l'ambiance continue comme ça, que la cohésion aussi continue. À notre niveau, on verra tout, que ça continue ainsi. Donc, merci. Bonne fête pour les touristes, le doyen des pères. Notre présence en ce lieu, célébrer les pères de famille que nous sommes, l'ensemble du personnel par ma voix, vous dit grand merci, monsieur le directeur général. Un père présent aux côtés de ses enfants, vous tissez des liens privilégiés et partagez des moments de complicité. Les rassurer, les protéger et les réconforter en les aidant à être autonomes. Ce père idéal, dis-je, nous le sommes grâce au CNTIG. C'est pas possible. Je pense que les carottes sont cuites.